Bonsoir, Olivier. Est-ce que Monsieur de la Serre est rentré ? Messire de la Serre ne rentrera que très tard. Ah, oh, fort bien. Je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'Élise, alors. Prépare-toi à déchanter. Mademoiselle doit assister à une réception, en son honneur. C'est au palais. Une fête ? Je n'ai pas été invité ? Les chevaux non plus. J'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation. Je trouverai un moyen d'entrer. Et sais-tu quand monsieur sera de retour ? Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées et venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors j'attendrai ici. Mémoire de Monsieur d'Artagnan, le préféré d'Élise. Si je la glisse sous la porte, il la trouvera dès son retour. Hop hop ! Voilà, remise en main propre, et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais ! Oh, je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout, encore moins un bal. Laissez donc, mon brave. Je vais m'en charger. Oh, merci, jeune homme. Monsieur Maximilien Robespierre, venu seul. Arnaud, le chevalier du Télème. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant! Charles Gabriel Siver, deux invités. Suivant, je vous prie. Quelle affluence. Deux invités.
sortez de là! Me laisserez-vous rentrer si je m'arrête? Plaît-il? Mais certainement pas! Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Oh non, non, non! Descendez! Je vous retrouverai plus tard dans l'île. Bien sûr. Nous sommes très nombreux ce soir. Je peine à me rappeler de notre dernière rencontre. Tu vas devoir monter à cette affaire avec... M'accorderiez-vous cette danse, beau gentilhomme? Merci. Un autre jour. Oh. Oh. Et à ce que la plèbe se soulève cet après-midi. Elle a toujours aimé qu'on lui court après. Je dirais que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Hé, hey, tu portes l'une des tenues de mon père. Et toi, tu portes une robe. Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies, énormément de pompe. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mon père s'y est opposé. Ton père ? Léa ! Ouvrez ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi ? Tu me jettes dehors ? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pauvreté. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez ! Salle de billard, n'est-ce pas? Tout va bien, monsieur ?
Vous avez abusé du champagne? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre! Siver, il faut partir! Garde! À l'aide! Au meurtre! Mon Dieu, il a tué le seigneur de la Serre!